transformer des jougs détruits, des fardeaux ôtés, des chaînes brisées, des démons chassés, des kystes, des masses, des virus qui se désintègrent, se désagrègent. Au son de ta voix, selon qu'il est écrit, tu envoyas ta parole. Et ta parole les guérit. Ta parole guérit. Qu'elle ouvre l'intelligence. Nous t'implorons. Fais infiniment. Au-delà de ce que nous te demandons, pensant par ta puissance, qui agit en nous. Et que Jésus seul, en ce lieu, soit glorifié. Que tu pries au nom de Jésus. Amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à vous qui êtes en communion avec nous chaque dimanche, à vous qui êtes là et qui sont au-delà, ceux qui sont connectés avec nous, cette grande famille. C'est un tel honneur d'être. Le nombre de connexions sur le direct ne cesse d'augmenter. Ça veut dire que cette génération a faim de la parole de Dieu, de la réalité de Christ. Et aussi bien vous qui êtes là que ceux qui sont connectés. Cela dit, tout le monde me dit, ça n'a rien à voir quand on est sur place. Et quand on regarde sur internet, voilà, pour raconter autant que possible, ne reste pas là-bas, viens ici. L'atmosphère, la manière dont le son retentit, c'est pas pareil que sur ton téléphone portable ou sur ton ordinateur. Même quand tu mets les haut-parleurs, ça n'a pas le même écho. Mais nous bénissons Dieu pour ceux qui sont connectés de près ou de loin. On acclame le Seigneur. On acclame. Alors, avant de vous inviter à vous asseoir, je n'ai pas encore invité, avant de vous inviter à vous asseoir, je vais vous rappeler que le camp des stars ne commence pas le mardi, mais on se retrouve, on va à Lille le mercredi soir. On passe le jeudi et le vendredi tous ensemble dans des temps de communion, d'édification, des temps de prière, des temps d'impartition, selon la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire. Mais nous voulons travailler ensemble, bâtir ensemble. Et quelqu'un dit Amen. Donc si tu es star ou si tu es aide, je te supplie de ne pas rater ce camp des stars. On a prolongé, c'est ça? On a prolongé toujours le même tarif de 50%. Et quand on a mis les 50%, en fait, ça veut dire que l'Église ne prend rien. Je suis étonné. Comment quelqu'un peut même penser que l'Église va essayer de... On ne prend rien. C'est le coût que ça nous coûte. Mais comme on sait que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, il y en a qui avaient la possibilité de mettre 150, il y en a qui n'ont pas cette possibilité. Et même s'ils le veulent, c'est très compliqué. Voilà pourquoi on a décidé que l'Église va assumer cette charge. Mais quand l'Église assume cette charge, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais on le fait parce qu'il faut qu'on soit nombreux, parce qu'il faut que ce soit un temps de travail. Mais en vérité, tu apprendrais une chose, quand tu es en train de construire, quand tu as un projet d'achat ou de construction d'un bâtiment, tu fais attention à chaque euro qui rentre, oui ou non? Voilà, c'est pour ça qu'on sert la dépense. On sert la dépense. Mais on ne prend aucun centime de plus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis d'une manière générale, si je dis une chose ici, c'est que je sais que c'est la vérité. Je ne vais jamais te dire ce qui n'est pas vrai. Je ne vais pas aller en enfer pour 10 000 francs, 10 000 euros ou 5 000 euros. Jamais. Je ne vais pas me disqualifier, souiller mon onction pour ça. C'est impossible. Jamais. Et je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Dieu ne te laissera pas acheter un bâtiment qui coûte 7 millions d'euros si tu as un petit côté escroc. Jamais. Dieu ne sera pas derrière. Et si Dieu n'est pas derrière, ici en France, là, jamais ça n'aboutira. Donc quand tu vois que ça aboutit, ça veut dire que Dieu était derrière. Et quand tu vois que Dieu était derrière, ça veut dire que Dieu a créé le cœur des hommes qui mènent cette initiative. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, pour bien organiser ça, il faut que vous qui avez reçu le SMS ou le mail de questionnaire là sur le covoiturage, il faut remplir ce questionnaire. Today, aujourd'hui, OG.
comment on dit en chinois, hein? Oh Dieu, aujourd'hui, en créole, c'est ça? Jeudi, je te presque trop fort. Alléluia. Fais-le aujourd'hui. Sois saint. Quand on te demande, s'il te plaît. C'est parce qu'il ne faut pas aller à vide. On doit tous avoir les voitures remplies. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Écoutez, la Bible dit celui qui n'en avait pas, celui qui en avait trop et celui qui n'en avait pas assez, on mettait tout ensemble et ça équilibrait. Voilà pourquoi il faut remplir ce covoiturage. Il faut remplir ce formulaire de covoiturage afin qu'aucune voiture n'aille toute seule. Et voilà, aide-nous. Sois simple. Vraiment, ne sois pas compliqué. Il y a des gens qui sont trop compliqués. On sait que tu es occupé, tu es débordé, tu es le plus grand, le plus occupé de toute la planète. Alléluia. Mais s'il te plaît, prends le temps, précieux temps, pour remplir ce formulaire et communiquer. Si tu es déjà rempli, si tu n'es pas rempli, il y a un questionnaire qui est bien documenté, remplis-le, s'il te plaît. Soyons simples, nous sommes simples, soyons une famille simple. Quelqu'un dit amen. Voilà, c'est aussi une marque d'humilité que la simplicité. Et donc, on va commencer dès le jeudi matin à la première heure. Le mercredi soir, on prend les quartiers. Oui, jeudi 9h, on commence. Mercredi soir, on prend les quartiers. Amen. Voilà. C'est l'activité de cette semaine. Donc, toi qui n'es pas star, deviens star. Ça veut dire serviteur, travaillant activement pour le royaume. C'est ça. Magnifique esprit de Jésus. Awesome. Magnifique. Excellent esprit de Christ. Merci encore d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Seigneur, we need you. Nous avons soif de toi. Nous t'implorons. Sois formé, exprimé, révélé, glorifié, manifesté. Nous t'implorons. Et s'il y a plus d'une personne qui en a assez de la routine religieuse et qui veut une vie palpitante, une vie où tu es formé dans ton caractère et où une vie où on te voit manifester le bien, une vie où tu fais du bien et où il est attesté aujourd'hui comme hier, il fait tout à merveille. À travers nous, fais tout ta merveille. Merci. Parce que c'est le genre de prière que tu as créé, à laquelle tu prends plaisir et que tu manifestes certainement au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Oui, tu peux acclamer, 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 acclamer. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Bienvenue encore. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Et avec moi, Christ, pleinement formé en moi. Ouais, donc je vois ta tête, toi qui ne dis pas là, ça veut dire toi tu veux que qui soit pleinement formé, c'est Adam. Adam est impuissant, impotent, incapable, misérable, vaincu, battu, frappé, flagellé par des démons, tourmenté par des esprits méchants. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alors dis encore avec moi, Christ, pleinement formé en moi. Voilà. Nous avons dit que c'est ça. C'est le but ultime de Dieu. Le but ultime de Dieu pour l'espèce humaine, ce n'est pas seulement de sauver, ce n'est pas seulement de faire le bien. Dieu prend plaisir à faire le bien. On a dit que le but ultime de Dieu, c'est de bâtir un homme. C'est de construire un homme qui a sa stature, qui est son image, qui est sa ressemblance. Sa volonté, ce n'est pas seulement de te bénir, c'est de te construire, de te bâtir, de te rendre exactement comme il est, afin que cette partie, cette parole de l'Écriture s'accomplisse dans ta vie, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous avons dit que le but, c'est nous emmener
à être semblable à lui, à la stature parfaite de Christ. C'est ce que nous dit Colossiens chapitre 1 au verset 28. Il dit à propos de Christ, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, Colossiens 1, 28, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. C'est le mot parfait ici, c'est le mot teleios, qui veut dire parfait, qui veut dire achevé, qui veut dire abouti, qui veut dire accompli. C'est ça. Le but, c'est de présenter à Christ tout homme devenu parfait en Christ, abouti en Christ, achevé. On voit Christ assis, on le verra au nom de Jésus. Amen. J'ai pas entendu, j'ai dit on le verra au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 6, verset 13, version du semeur, nous dit également la même chose. Ainsi, nous parviendrons tous à l'unité de la foi, dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. C'est là où tu vois le mot grec teleios. C'est là le mot teleios, parfait, adulte, accompli, mature. J'ai dit, on le verra dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Là où se manifeste toute la plénitude de Christ. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Et une des preuves que Christ est en train d'être formé, une des preuves de ce que nous sommes devenus semblables à lui et qui est une trace, une preuve de plénitude. Dis avec moi la plénitude. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Dans la plénitude du Saint-Esprit, là, il y a une tranche là, dans le fruit de l'Esprit qu'on appelle la tempérance ou la maîtrise de soi. Et donc, une des preuves de la formation de Christ, c'est notre capacité à tenir notre langue en bride, c'est-à-dire à empêcher notre langue de mal parler, de médire, de critiquer, mais au contraire à contrôler ce qui sort de notre bouche. C'est l'une des preuves de la manifestation de Christ en ton caractère. Parce que, tu vas comprendre, on va encore en reparler, tu ne peux pas manifester Christ si tu ne contrôles pas ta langue. Tu vas comprendre. Et c'est ça que Jacques nous explique dans l'épître de Jacques, chapitre 3. Et je pensais avoir fini avec cette partie-là. Mais le Saint-Esprit, ce week-end, m'a donné la conviction de revenir dessus encore, d'insister toujours avec cette histoire de parler mal. C'est comme s'il veut délivrer ta bouche à jamais de la folie et de la disqualification. Moi, je pensais fini. Il me dit, reste là, je n'ai pas encore fini. Et puis, il m'a montré donc ce passage de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 2. Et ce que je vais te dire, je ne le savais pas la semaine dernière. Je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est quand tu prends du temps dans la présence de Dieu qu'il m'ouvre l'esprit et me fait lire des choses. Je dis, mais Seigneur, ça fait des années que j'ai lu ça, je n'ai jamais compris ça comme ça. Et dans ce sens-là, je veux vraiment bénir Dieu et reconnaître que vraiment le Saint-Esprit, c'est un enseignant hors pair. Il t'enseigne des choses que l'école ne t'a jamais enseignées, que les professeurs eux-mêmes ne connaissent pas, des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu et qu'il a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Ah. Je ne sais pas. Pour toi, pour moi, vraiment, à mon avis, quelqu'un aurait moins dû dire, tu vois, il y a des trucs, vraiment, je ne sais pas. Je ne suis pas découragé. À la fin de la journée, sur cette terre, la Christ sera formé en toi. Amen. Si tu restes un baxant chrétien, que tu dises amen ou pas, Christ sera formé en toi. Amen. Son feu va t'attraper et t'embrasser. Amen. Si tu ne veux pas, alors il faut fuir l'église. Quelqu'un me dit amen. Il m'a convaincu de revenir dessus en insistant sur la manière dont la mauvaise utilisation de notre langue, à quel point cette mauvaise utilisation détruit nos vies. On pense le savoir, mais on n'en est pas conscient. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, mais donc il n'y a rien de nouveau en théorie. Quelqu'un me dit amen. Amen. Jacques chapitre 3, verset 2,
On va commencer avec la version du semeur, parce que quand tu lis la version Louis II classique, tu ne la comprends pas, parce qu'il dit chacun d'entre nous, nous branchons de plusieurs manières. Bon, tu ne comprends pas. Donc, on prend la version du semeur. Et voilà ce qu'il dit. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte. Et là, tu retrouves le mot grec téléos. Ça veut dire achevé, accompli, abouti, mature. Celui, vous comprenez, voilà, c'est ça. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Et donc, ça, on a lu ça avec la version du semeur. Maintenant, on va aller sur la partie, la version second 21. Et Jacques, maintenant, va nous expliquer le pouvoir extraordinaire de la langue en comparant la langue au mors d'un cheval ou au gouvernail d'un bateau et à un feu ou, je dirais aussi, au volant d'une voiture. Quelqu'un me dit amen. Alors, Jacques, chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 8. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. En grec, c'est téléios, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est le verset 6 qui m'intéresse aujourd'hui. La langue est aussi un feu. C'est le monde de la méchanceté ou encore de l'iniquité, dit Louis II classique. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle est sous, et là, on va le lire tous à haute voix. Elle, à haute voix, 1, 2, 3. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre... Et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la GN. Waouh! Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence. Louis II classique dit, elle souille, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Il continue au verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'animaux, de reptiles, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Et comme c'est la parole de Dieu, alors quelqu'un dit Amen. Donc, Jacques ici nous explique que nous avons en notre possession, chacun d'entre nous, une arme d'autodestruction massive, redoutable, et qui malheureusement agit la plupart du temps pas en notre faveur, mais contre nous-mêmes, et cette arme s'appelle la langue. Pourquoi je parle d'une arme d'autodestruction massive? Parce que au verset 6, Jacques nous dit qu'elle ne souille pas seulement notre corps, elle souille notre corps, mais aussi elle enflamme le cours de notre existence, ou encore elle enflamme le cours de notre vie. Et quand tu prends la version BFC, c'est-à-dire la version française courant, il dit elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Quoi? Cette langue enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Ça veut dire qu'une langue mal domptée, mal contrôlée, crée un incendie de ta vie et te fait vivre l'enfer sur la terre. Quelqu'un dit amen. Plusieurs parmi nous ont tellement de problèmes. Tu as l'impression que ta vie prend feu. Le feu dans ta santé. Ta santé prend feu.
tes relations prennent feu, ton mariage prend feu, tes finances prennent feu, ton propre cœur prend feu. Au lieu d'avoir le repos de l'âme, il prend feu. Et souvent, on attribue tous nos problèmes, soit c'est un sorcier, soit c'est le manque de chance, ce sont les démons, ou alors ce sont les gens qui me combattent. Mais en fait ici, le Saint-Esprit par l'apôtre Jacques va nous expliquer, il veut nous expliquer et nous démontrer par sa grâce qu'en fait, l'origine, la source, le commencement, pas la finalité, mais le commencement de plusieurs problèmes, peut-être même la plupart des problèmes, tu vas comprendre, la porte d'entrée, parce qu'il faut toujours une porte d'entrée. Vous savez, un feu peut commencer. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais un feu, quand il commence, il y a deux options. Soit on l'éteint tout de suite, soit on l'attise, ou on ne fait rien, et puis il se propage. Donc, les problèmes sont pareils. Il y a des problèmes qui ont commencé petits, qui auraient pu être éteints tout de suite, mais qui ont été amplifiés et qui se sont propagés. Et dans tous les cas, soit le commencement du problème, c'était la langue, mais tu vas voir que souvent, très souvent, soit le commencement ou alors l'aggravation du problème était causée aussi par la langue. Est-ce que quelqu'un me suit? La version parole de vie du verset 6 nous dit ceci. Elle dit, notre langue met le feu à notre vie de la naissance à la mort. Waouh! Je vais la voir à l'écran. Version parole de vie, toujours au verset 6. Voilà. Il dit notre feu. Lis-le avec moi. Lis-le à haute voix avec moi. Monsieur Ferdinand, les instructions que j'ai données pour la caméra. Ferdinand, les instructions que j'ai données. S'il te plaît. À la régie. J'ai donné des instructions, s'il vous plaît. Alors, relisons-le ensemble. Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, notre langue met le feu à notre vie. Qu'est-ce qui cause un incendie de nos propres vies? Il dit, notre langue, ça veut dire, c'est vous-même, c'est toi-même qui met le feu à ta vie avec ta langue. D'où le titre de mon message, c'est vous-même, c'est toi-même qui incendie ta vie. Qui met le feu à ta vie avec ta langue. C'est toi-même. Ce n'est pas un démon, tu vas comprendre. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est vous-même qui mettez le feu à votre vie avec votre langue. Waouh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'ai regardé pour toi, quand il parle d'enflammer, ça veut dire incendier, mettre le feu. C'est ça, j'ai regardé en grec. Ça veut dire incendier. Ça veut dire qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que nous sommes, bon, pas moi au nom de Jésus. Donc, c'est à chacun de s'examiner. Je suis sorti de là, je suis délivré au nom de Jésus. Je dis amen pour moi-même. Mais il est en train de dire, peut-être pas toi, mais ton voisin, il dit que tu es responsable, toi-même, de l'incendie de ta santé, de tes relations, de tes finances, de ton cœur, de ton mariage. Qui est responsable? Toi, comment? Par ta langue, tu peux allumer un incendie. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment, pasteur Ivan? Avec la langue. Et c'est ça que Jacques est en train de nous dire. Jacques nous dit que la langue est un feu. Et avec moi, c'est un feu. En fait, vois-le comme un feu ou un lance-flamme. Et ce feu ou ce lance-flamme peut être orienté dans deux directions. Il faut faire attention quand tu tiens le feu. Il faut faire attention quand tu as un lance-flamme dans les bras. Si tu ne fais pas attention, tu peux l'orienter vers toi-même et t'auto-incendier. Ou alors tu peux l'orienter vers tes ennemis, tes adversaires, les montagnes, les forteresses sataniques, et tu peux les brûler. Ou tu peux te brûler toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais une chose est certaine, ta langue va viser une seule cible. Soit ça sera toi, soit ça sera tes ennemis, les montagnes qui se dressent devant toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jacques dit dans Jacques chapitre 3, toujours,
au verset 11 jusqu'au verset 12. Au verset 11 jusqu'au verset 12. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, mes sœurs, peut-il porter des olives? Ou une vigne peut-elle produire des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. J'ai pas entendu, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit une source salée. On est au verset, c'est ça? Une source salée ne peut pas donner de l'eau douce. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. La version seconde 21 dit ceci. Dans la version seconde 21, il dit, de même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. C'est impossible. Ça veut dire quoi? Que même quand tu utilises ta bouche là, et qu'un coup tu pries, mais un coup tu critiques, il est en train de te dire que, en fait, voilà ce qu'il m'a dit. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Soit tu parles contre les gens, auquel cas tu vas comprendre que c'est toi qui vas prendre feu tout seul. Soit tu parles contre les montagnes et les problèmes qui accablent ta vie, auquel cas tu vas consumer ces problèmes. Mais ta langue ne peut pas faire les deux en même temps. Tu peux prier, mais en fait ça n'a pas d'effet. Parce que tu peux prier, mais quand tu critiques les gens, tu vas comprendre que c'est toi que tu es en train d'incendier. Quand tu parles mal, tu vas comprendre. Est-ce que tu me suis pour l'instant? Donc, en fait, la vraie question, c'est qui ta langue va-t-elle servir à détruire ou à incendier? C'est la question. Est-ce que ta langue va servir à t'incendier, à incendier ta propre vie? Ou est-ce que ta langue va servir à incendier les montagnes, les forteresses? Parce que tu me diras, comment, pasteur, fait-on pour incendier les problèmes? Parce qu'il y a des problèmes, quand ils commencent, il faut les incendier. Comment? Il est écrit. Amen. Dès que tu envoyais, il est écrit, tu envoyais le feu de la parole. Amen. C'est le problème. Mais la source là ne peut pas faire les deux. Et tu vas te rendre compte que quand tu calomnies les gens, quand tu parles mal des gens, quand tu critiques, tu vas te rendre compte que tout le reste de il est écrit ne prend pas. C'est pour ça que ça fait longtemps que, pas toi, il y a quelqu'un qui est autour de toi. Ça fait longtemps qu'il dit, oh, au nom de Jésus, il est écrit. Et puis ça ne marche pas. Tu prends autorité, ça ne marche pas. Tu dis, fire, il n'y a pas de feu. Pourquoi? Parce que le feu est en train de te brûler toi-même. Pourquoi? Avec ta bouche. Donc, tu vas devoir décider qui tu veux incendier. Demande à ton voisin, qui veux-tu incendier? Tu vas incendier qui? Garde bien l'esprit le titre de mon message. C'est toi-même qui mets le feu à ta vie avec ta langue. Tu n'as pas idée. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Tu n'as pas idée à quel point c'est subtil. En fait, tu le sais. Mais comme tu n'en as pas la révélation, donc du coup, tu te dis, oh, chipi, traîné, faux type, fausse typesse, toujours, faux pasteur. Et c'est comme ça, et puis tu souris. Amen, 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 amen. Ah, et puis tu es là. Bonne louange là aujourd'hui. Oh, je suis là. L'ange qui est affecté à ta protection baisse la tête. Il dit aïe, aïe, aïe. C'est toi-même qui incendie ta vie. Alors tu vas me demander, mais pasteur, comment fait-on pour incendier, mettre le feu à sa propre vie, à sa propre existence, à travers sa langue? Comment on fait ça? Il y a quelqu'un, j'ai écouté une vidéo sur internet d'un ancien cancérologue, un chirurgien, qui a fait une vidéo sur comment faire pour avoir le cancer. Parce qu'il a, je crois qu'il y en a qui l'ont regardé, professeur de Joyeux. Je fais pas sa pub, mais bon, c'est intéressant à voir. Hein. Ça va t'aider à arrêter de manger ce que tu manges, franchement. Tu vas manger et tu vas apprendre à mâcher doucement. C'est quand tu manges, tout va disparaître en une seconde. Hey, doucement. Et non, parce qu'il y a des patients qui sont allés le voir, qui l'ont dit, docteur, il y a un couple qui est allé le voir, docteur, on veut savoir comment faire pour avoir le cancer.
dit, ah, c'est la première fois qu'on me pose une question comme ça. C'est assez inédit comme approche. Mais pourquoi vous voulez savoir? Ben, en fait, on s'est dit que si on arrive à savoir comment on fait pour avoir le cancer, on va du coup savoir comment on fait pour ne pas l'attraper. Bon, et puis il a dit, je voulais que je vous le donne où, le cancer? Au cerveau, à l'estomac, le pancréas, les seins. Décris-moi le. Il dit, tout. Ok, je vais vous faire un coup. Donc il leur a décrit. Et donc là, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te dire comment faire pour incendier ta propre vie. Comme ça, peut-être que tu sauras comment éviter de l'incendier. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, premièrement, tu veux savoir comment on fait pour incendier ta vie, mais en fait, je vais te redire ce que je t'ai dit la semaine dernière. Mais sans que tu ne réalises pas la profondeur et la subtilité de la chose. Qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière? Je t'ai dit, est-ce que tu as compris d'abord que, en critiquant, en méprisant les personnes qui vivaient dans le péché, mais que le Saint-Esprit, par lequel le Saint-Esprit agissait pour faire le bien, pour proclamer la parole, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Je t'ai dit la semaine dernière, est-ce que tu réalises qu'en les critiquant, en les méprisant, en fait, ce ne sont pas les personnes en question que tu méprisais, c'était le Christ qui habitait en eux que tu méprisais, que tu rabaissais, que tu diminuais, que tu dévalorisais. Et en méprisant le Christ qui est à l'intérieur là, en méprisant le Christ qui à travers cette personne proclamer la parole, à travers cette personne chasser les démons, guérissez les malades, hein, en méprisant le Christ qui est à travers cette personne. Ce n'est pas la personne, c'est le Christ que tu as méprisé. Et en méprisant Christ, c'est la grâce qu'il manifestait à travers cette personne que tu as critiqué. C'est cette grâce que tu convoitais, que tu admirais, qui ne pourra plus se manifester à travers toi. Je t'ai dit que la grâce que tu banalises, que tu méprises, que tu critiques, que tu rabaisses, est une grâce que tu ne pourras pas manifester. Si tu me suis, dis je te suis. Et je vous ai donc dit, c'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons, pas là, mais l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne parviennent pas à vivre le Christ pleinement formé, le Christ rempli et le Christ qui opère dans la dimension d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué une des facettes de Christ et du coup ils sont privés de cette grâce. Maintenant la question qu'il m'a posée, c'est est-ce que tu as réalisé que c'est ta langue qui, au final, est responsable de cet incendie de ton potentiel. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu pour toi et moi que nous manifestions l'extraordinaire divin. C'est-à-dire que le but de Dieu, c'est de nous emmener à manifester Christ pleinement. Dis avec moi, pleinement. C'est ça le but de Dieu. C'est-à-dire que c'est le potentiel. C'est ce que Christ en toi est capable. Le potentiel parle de ce qui est censé sortir de toi, de ta vie, de ton témoignage. Pas des pasteurs, des évêques, des apôtres, des pasteurs, des prophètes. Non, non, non. Non, 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 non. Celui qui a reçu Christ est censé manifester Christ. Ça veut dire que tout le monde est censé atteindre la dimension de la plénitude et du feu du Saint-Esprit et de la dimension du revêtement, c'est-à-dire quand l'onction vient sur toi avec les sept manifestations du Saint-Esprit, parce que tu en auras besoin au travail, tu auras besoin d'opérer à une dimension où les autres, les Adam, n'opèrent pas, là où tu opères avec l'esprit de souveraineté, dans les affaires, dans tes entreprises, les contrats viennent à toi, parce que l'esprit de souveraineté t'accompagne, où la sagesse surnaturelle s'exprime à toi, parce que l'esprit de sagesse te remplit et te rend capable de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix, l'esprit de conseil est sur toi, l'esprit de révélation est sur toi, on te propose un business, on te propose une affaire, on te propose de recruter quelqu'un, et puis l'esprit de connaissance te dit non, pas cette personne. Comment? En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est pas à l'église, c'est pas pour l'église. Tout le monde a besoin de vivre Christ pleinement formé. Je te regarde. Viens avec moi, Christ formé. Ça devrait te réjouir. Heureusement que toi, moi, tu souris. Parce que à gauche et à droite de toi, il y a Iceman, man. Oh, tu continues de fermer le front, mec.
tired. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc, est-ce que tu réalises que, puisque c'est à cause de tes critiques que la grâce ne la manifeste pas, est-ce que tu te rends quand même compte que le responsable in fine de ce blocage, de ce sabordage de destinée, mais Dieu merci, tu te repens, et en te repentant, toi et moi, nous allons manifester le Christ pleinement. Dis-moi un meilleur amen. Amen. Mais est-ce que tu te rends quand même compte que finalement le responsable de ta condition limitée, frustrée, où tu ne manifestes pas pleinement Christ, le responsable, la porte d'entrée, la source, finalement, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est la langue. C'est la langue. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la langue. Dieu dit que tu dois atteindre la dimension de la plénitude, la dimension de l'intimité, de la communion. La langue dit, je vais critiquer l'homme qui a la communion avec le Saint-Esprit là. Et quand tu dis, moi j'ai bien communion avec toi, le Saint-Esprit dit, tu ne peux pas. Tu as méprisé, tu as critiqué quelqu'un qui est en communion avec moi. Cette grâce, au lieu de prier, de célébrer, tu l'as critiqué. C'est fini. Mais qui a bloqué? La langue a dit non, il ne va pas la manifester. Tu dis, comment on ne va pas la manifester? Je vais parler par lui. Je vais salir les gens. Je vais critiquer. Je vais calomnier. Je vais dire du mal. Et donc, tu te rends compte que la langue est le premier responsable. C'est lui, à la base. C'est elle, pardon. Donc la langue a un pouvoir. Comment un petit membre comme ça, un petit membre de ton corps peut dire, on va voir où tu vas aller. Tu ne manifesteras ni la plénitude, ni la puissance. Je veux la puissance. La langue dit non, tu ne manifesteras rien. Tu dis pourquoi? Écoute-toi parler. Il y a ce qui sort de ta bouche. La langue t'a disqualifié. Un petit membre, Jacques dit, qui se vante de tellement de grandes choses. Tu ne peux pas te permettre de sous-estimer la langue. Tu ne peux pas. Un feu, le monde de la méchanceté, de l'iniquité. Alors, comment faire, pasteur Ivan, pour mettre à feu, pour incendier sa propre existence? Donc, je t'ai dit que en critiquant, tu t'es privé de la grâce. Tu as compris ça, tu dis amen. Amen. Deuxièmement, est-ce qu'il m'a dit, est-ce que tu as réalisé qu'en ayant pris l'habitude de parler mal, de critiquer, de calomnier, de dire du mal simplement, tu as fait volontairement le choix de rejeter la miséricorde alors que tu auras besoin demain de miséricorde. Au lieu de prier pour les gens qui tombent, pour les gens qui ont un mauvais caractère, pour les gens qui vivent dans le péché, pour les gens qui ne sont pas au point, au lieu de prier, d'intercéder, de demander à Dieu, un, Seigneur, pardonne cette personne, deux, ne laisse pas ce démon qui a réquisitionné sa vie triompher dans sa vie. Au lieu de prier, tu préfères conserver l'habitude de parler mal. Mais, donc, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Parce que tu as compris que en parlant mal, ça veut dire que tu, au lieu de semer la miséricorde et la prière, tu as semé les mauvaises paroles, les critiques. Et en faisant ça, ça veut dire que tu es en train de dire à la miséricorde, je ne veux pas de toi. Parce que je t'ai dit la semaine dernière que tôt ou tard, demain et tous les jours de ta vie, tu auras besoin de récolter la miséricorde. Tu auras besoin que la miséricorde t'accompagne. Tu auras besoin que la miséricorde soit avec toi tous les jours. Pourquoi? Parce que tous les jours, ça t'arrivera de commettre des erreurs. Des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation, des erreurs d'appréciation, des mauvais choix, des péchés. Parce que tu n'es pas Jésus et tant que nous vivons dans cette chair, il nous arrivera même de pécher. Ou parfois ce n'est pas des grands péchés, parfois c'est juste des erreurs, des fautes, des manquements. Ça va arriver et quand ça va arriver, je t'ai dit la semaine dernière que tu auras besoin, quand tu vas faire ça toi aussi, qu'on ait compassion et miséricorde de toi. Et tu te souviens, dis amen. Amen. Mais quand tu parles mal, ça veut dire que tu es en train de dire
Tu fais le choix de ne pas avoir, tu fais le choix de rejeter la miséricorde. Mais tu auras besoin de la miséricorde. Quelqu'un dit amen. Au psaume 23, verset 6. Le psaume 23, verset 6. Le psalmiste dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis avec moi le bonheur et la grâce. Bon, en fait, là, lui, se voit en traduit par la grâce. Mais quand tu prends King James Version, qui est une version beaucoup plus élaborée, King James dit, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Donc, il dit quoi? Il dit goodness, c'est-à-dire la bonté ou le bonheur, and mercy. En fait, il dit littéralement la miséricorde. Dans le texte hébreu, le mot miséricorde est plus adapté en réalité. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? David appréciait le fait que le bonheur et la miséricorde m'accompagneront. Je te garantis, tu as besoin que tous les jours, il dit pas certains jours, il dit tous les jours, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient là tous les jours. Parce que tous les jours, tu commets des erreurs. Tous les jours, tu commets des fautes. Mais quand le bonheur et la miséricorde sont là, même quand tu commets des fautes, les gens n'en font pas une montagne. Ils se disent, c'est pas grave. Mais dis-moi un peu, au fait, dis-moi un peu, comment se fait-il que on est deux au travail, on a fait une faute grave, l'un est viré, l'autre est gardé dans son poste. Mais pourquoi toi on t'a gardé et moi on m'a viré? Moi c'est parce que le bonheur et la miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je me suis planté, j'ai fait des erreurs, mais tu vois, on ne peut pas me faire, on ne peut pas me châtier, me juger, parce que je suis transporté par quelque chose qui s'appelle la miséricorde. Et même lorsque les hommes disent, on va le châtier, Dieu dit non, détournez le châtiment, détournez le jugement. Il a grâce. Et tu sais pourquoi il a miséricorde? Tu sais pourquoi il a récolté la miséricorde? Parce que lui, quand les gens faiblissaient, quand les gens chancelaient, quand les gens trébuchaient, il priait pour dire, Seigneur, pardon, Seigneur, aie compassion. Il ne critiquait pas, il ne calomniait pas. Il a semé la miséricorde. Alors la miséricorde peut désormais l'accompagner. Dis avec moi la miséricorde. Plus fort, la miséricorde. Wow. Alors, il m'a dit, tu vois, chaque fois, lorsque la miséricorde accompagne ta vie, tu es en paix avec Dieu et tu es en paix avec les hommes. Lorsque la miséricorde accompagne ta vie, tu pardonnes les offenses, tu intercèdes pour les autres, tu pries pour que Dieu ait compassion, tu pries pour que Dieu pardonne et tu ne condamnes pas, tu ne juges pas les gens. Lorsque la miséricorde accompagne ta vie, tu pardonnes les péchés des autres. Et guess what? Alors du coup, tu sais ce qui se passe? Dieu aussi, toi, te pardonne. Et lorsque Dieu te pardonne, c'est très important, parce que lorsque Dieu te pardonne, ça signifie que tes péchés, tes offenses, tes fautes, comme Dieu te pardonne, il efface. Ça veut dire que ces choses, tes péchés, tes fautes, tes offenses sont derrière toi. Ça veut dire qu'elles appartiennent à ton passé parce que tes dettes ont été effacées. Donc tu as intérêt à ce que la miséricorde t'accompagne. Parce que lorsque la miséricorde n'accompagne pas ta vie, alors qu'est-ce qui t'accompagne? Si ce n'est pas la miséricorde qui t'accompagne, tu sais ce qui va t'accompagner? Jacques chapitre 2, verset 13, c'est le jugement. Le châtiment, le jugement. Si ce n'est pas la miséricorde qui t'accompagne tous les jours, ça sera le jugement. Il dit dans Jacques 2, verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mais si la miséricorde disparaît, alors qu'est-ce qui accompagne ta vie? C'est le jugement ou encore le châtiment. Tu vas comprendre. Dans la version du semeur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. Mais la pitié triomphe, permet de surmonter, de vaincre le jugement. Waouh! Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que lorsque la miséricorde n'accompagne pas ta vie, parce que de toutes les manières, c'est sûr que tu vas commettre des erreurs, tu commettras des fautes. Mais lorsque la miséricorde n'accompagne pas ta vie, ça veut dire, puisque tu n'es pas miséricordieux, alors tes péchés. La semaine dernière, j'ai dit quelque chose qui n'était pas exact. J'ai dit que quand tu as manqué de miséricorde, et le jour où tu as commis une faute, Dieu te pardonnera. En fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'il m'a montré que ce n'est pas ça. Ce n'est pas exact. Parce que d'abord, il dit dans Jacques 2, ici, au verset 13, version du semeur, Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. Et puis après, il m'a mené dans les paraboles. Il m'a mené dans Matthieu 6. Il m'a mené dans Matthieu 6, verset 15, où il dit, Matthieu 6, verset 15, où il dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Si tu me suis dit, amen. Et ensuite, il m'a mené dans Matthieu 18, au verset 23 à 35. Mais quand tu prends le verset 35, il dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Et là, quelqu'un me dit, amen. Mais on est dans quel contexte? Il faut lire le verset 23 jusqu'au verset 35. Jésus parle en parabole. Il parle en parabole pourquoi? Parce que je crois que c'est Pierre qui vient demander au Seigneur, « Seigneur, si mon frère a péché, s'il m'a déçu, s'il n'a pas fait ce que j'attendais de lui, combien de fois est-ce que je devrais lui pardonner? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus dit non, ça ne sera pas 7 fois, ça sera 77 fois. 7 fois. Et là maintenant, il ouvre la parenthèse, il nous raconte une parabole. Oh, toi tu sais qu'à travers les paraboles, Jésus dit des choses très profondes. Jésus dit des choses vraies. Depuis la fondation du monde, à travers les paraboles. Et là maintenant, il commence, il raconte la parabole d'un maître à qui... D'un maître à qui un homme devait 10 000, c'est ça? Oui, 10 000 talents. 10 000 talents. Et comme le gars qui devait les 10 000 talents ne pouvait pas rembourser, le maître a ordonné qu'il soit jugé, qu'il soit vendu de sa famille jusqu'à ce que l'intégralité de sa dette soit remboursée. Si tu me suis, tu me dis un bon amen. Amen. Il devait 10 000 talents. Et j'ai regardé pour toi 10 000 talents. C'est quoi à l'époque 10 000 talents? Un talent, c'est 15 années de salaire. Donc 10 000 talents, c'est 150 000 années de salaire ou de travail. Donc ça veut dire quoi? Pour rembourser son maître, il fallait qu'il travaille 150 000 années. Le gars dit, je ne peux pas. Je demande miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et il a tellement supplié que le maître lui a dit, ok, va. Je te remets ta dette. Et quand il sort de là, il rencontre quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Oh, un denier, c'est une journée de salaire. Donc, 100 deniers, c'est 100 jours de salaire. Ça veut dire quasiment 3 mois de salaire. Et quand le gars qui devait 3 mois de salaire lui dit, s'il te plaît, aie pitié de moi, il dit non. Aucune pitié, tu me rembourses maintenant. Et le gars plaide, il dit non. Et puis il le fait enfermer. Alors le maître qui avait remis la dette au gars le reconvoque. Il lui dit, attends, moi je t'ai remis 150 000 années de salaire. Toi, quelqu'un te doit 3 mois de salaire, tu n'es pas capable de pardonner. Il dit, à cause de ça, la dette que j'avais effacée va réapparaître. Et il m'a dit, tu vois, c'est ça le danger du manque de miséricorde. Tu vois, il m'a dit, le sang de Jésus efface les péchés. Et là, je réponds, amen. Mais le sang de Jésus n'efface pas les péchés de quelqu'un qui n'a pas miséricorde, qui ne pardonne pas les offenses. Et quand les offenses ne sont pas pardonnées, non, parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu as demandé pardon. Le sang de Jésus est effacé. Mais dès lors que tu as gardé le manque de pardon, tu n'as pas de miséricorde, tu ne pardonnes pas, tu retiens ce que toi, tu avais aussi. Du coup, ce qu'on avait effacé réapparaît. Ce qui avait été enterré et complètement détruit refait surface. C'est pourquoi, tu vois, quand tu ne pardonnes pas, il m'a dit de te dire, voilà, dis-moi, amen. Il m'a dit, quand tu manques de miséricorde, ce qui va se passer, c'est quoi? Comme tu ne pardonnes pas, mais tu choisis de critiquer, au lieu de prier, d'intercéder, tu choisis de critiquer et de mal parler. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, du coup, les péchés que le sang de Jésus avait effacés font surface. Et quand les péchés
commence à s'accumuler. Parce que tu as beau prier, mais ce n'est pas pardonné. Donc, ça commence à faire un gros amas de péchés, de fautes qui ne sont pas effacées devant le trône de la grâce, mais qui ne font que monter. Et le problème du péché, Romains 6, verset 23 te dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que quand le péché devient, le péché commence, finit par augmenter, le péché attire la mort, le péché attire les tourments, le péché attire les maladies, le péché attire les afflictions, le péché attire les calamités, le péché attire la malédiction. Alors, quand la malédiction, c'est-à-dire la mort, c'est une respiration qui appartient à Satan, dès qu'elle localise le péché, elle fait comme un chien, il y a le péché par là-bas. Et puis, tout de soudainement, ton corps devient un sujet d'attraction. Ton corps commence à attirer des maladies, à attirer des calamités, à attirer des catastrophes. Et soudainement, tu as toutes sortes de calamités, de fléaux, de maladies, d'infirmités que tu n'avais pas hier, qui commencent à réapparaître et à bien se cramponner à toi. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ta santé est en train de prendre feu. D'où est-ce que c'est parti? Pourquoi tes péchés ressortent? C'est parce que tu fais ressortir les péchés des autres. Où est la porte d'entrée de cette maladie-là? De ces calamités, on ne comprend pas. On prie, ça ne marche pas. On impose les mains, ça ne marche pas. Les démons chassent, ça ne marche pas. J'ai compris que, je vous assure, il n'y a pas une raison pour laquelle les démons persistent dans la vie des gens. Et des gens, tu as beau prier, la maladie ne part pas. La grâce dit, la miséricorde dit, je veux le toucher, mais lui, il n'est pas éligible à la miséricorde. Pourquoi? Lui, il critique toujours les gens. Dès que, toujours en train de parler. Mais alors, d'où est venu l'incendie de ton existence, de ta santé? Ça vient d'où? Quelle est la porte d'entrée? Ta langue. Alors là, il m'a dit, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ta langue peut creuser ta tombe? Et c'est ça que le sage a dit lorsqu'il a dit dans Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Ouais. Sauf que Salomon a dit ça, mais Salomon n'a pas compris le mystère. Il n'a pas compris le chemin par lequel ta langue peut causer ta propre destruction. Il a juste donné l'affirmation. Jacques a un peu creusé, il a reçu la révélation de ce que cette langue est un feu et que c'est un départ, c'est une cause, soit du problème, soit une cause de l'aggravation du problème. Il dit c'est la langue. Et le Saint-Esprit, cette semaine, m'a ouvert les yeux. J'ai jamais lu ce passage-là comme ça. Il m'a dit à la fin de la journée, qui est responsable? Qui a permis cet incendie de ta santé? Garde bien à voir que c'est ta langue. C'est ta langue. C'est pour ça qu'il dit prie. Ceux qui sont faibles, si nous décidons tous de prier au lieu de juger, tu critiques tout le temps. C'est plus fort que toi, tu critiques. Et même après ce message-là, tu vas critiquer encore. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Ouais, mais d'accord. Mais ouais, mais non. Oui, mais vous dites, ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je continuerai de critiquer. J'ai dit, mais tu critiques qui? Ce que tu critiques ne m'atteint pas. Tu as juste appuyé sur un bouton. Tu as dit, tu as tourné un lance-flamme contre toi-même. Et tu as... Et maintenant, regarde la personne. Des problèmes de déséquilibre mental, des problèmes de folie, des problèmes de ci, là il y a ci, là il y a ça, là ma vie est bloquée, là au travail on ne m'aime pas. C'est-à-dire que tous les gens ont des problèmes avec toi. Mais quand tout le monde a un problème avec toi, tu dois t'arrêter et te dire un peu, en fait, pourquoi tout le monde a un problème avec moi? Au boulot on te vire, à gauche on te vire, là-bas on ne veut pas de toi, tu veux servir à l'église, on ne veut pas de toi. Mais pourtant nous on veut des serviteurs, mais toi on ne veut pas. Pourquoi? Pourquoi? Il m'a dit de dire. Oh, demande-moi pourquoi. C'est parce que lorsque la miséricorde n'accompagne pas ta vie, parce que toi, tu préfères parler, te plaindre, critiquer, salir, indexer,
toujours ta bouche là est en train d'indexer. Au lieu de dire Seigneur, non, tu prends plaisir à ça. Et ne me dis pas, c'est un démon. C'est pas un démon, c'est ta langue qui collabore avec un démon. Un démon ne peut pas te forcer à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Un démon utilise la suggestion. Il te dit critique, ouvre la bouche, critique. Tu as le droit de renverser les forteresses, les raisonnements, les systèmes de pensée qui en toi s'opposent à la connaissance de Christ et à dire je rejette cette pensée au nom de Jésus. Avant de parler, le démon il t'a donné une pensée. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as sondé? Est-ce que tu l'as scanné? Est-ce que tu l'as analysé? Est-ce que tu as repoussé cette pensée? Tu l'as avalé, tu dis, j'aime bien ça, ce métier. Ça, c'est ma spécialité. Mais critiquer encore. Le problème, c'est que quand tu critiques, tu dis à la miséricorde, pas besoin de toi. Ma vie, ça va aller. Ah ouais, ça va aller? Mais tu sais que si ce n'est pas la miséricorde qui t'accompagne, c'est quoi? C'est le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toi, Dieu, non seulement ne pardonne pas tes fautes, tes offenses, tes erreurs, mais quand le jugement t'accompagne à la place de la miséricorde, ça veut dire que même les gens ne pardonnent pas tes fautes, ne pardonnent pas tes manquements. Dieu ne pardonne pas, les gens ne pardonnent pas. Oh, le problème, c'est que tu vas en faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs, tu vas faire des gaffes, tu vas te planter, tu vas te tromper. Si tu me suis dit, je te suis. Tu vas te tromper. Mais quand c'est le jugement qui accompagne ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne laisses pas les autres. Tout ce que tu sais faire, c'est parler, critiquer, calomnier, salir. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu critiques les gens. Quand c'est le jugement fait quoi? Il condamne. Quand le jugement accompagne ta vie, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vas être quelqu'un qui critique toujours. Mais le problème, c'est que quand tu vas critiquer les gens, eux aussi te critiquent. Tu les salis, eux aussi te salissent. Tu les condamnes, eux aussi te condamnent. Tu ne pardonnes pas leurs manquements, eux aussi ne pardonnent pas tes manquements. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que ta vie est une vie de stress. Tes relations humaines sont des relations tendues. Tu es quelqu'un avec qui a toujours parlable. Il y a toujours quelqu'un que tu critiques, qui te critique. Pourquoi tu as dit ça? Mais toi aussi, pourquoi tu as dit ça? Et du coup, tu sais ce qui se passe? Tu auras du mal à te faire des vrais amis. Tu auras du mal à te faire des vrais amis. Et tu n'auras pas des relations humaines sérènes et durable. Tes relations sont toujours conflictuelles. C'est que des palabres. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à juger, à critiquer, à salir. Et tu auras du mal à avoir des relations saines. Ce n'est pas que tu n'auras pas de relations. Parce que tu auras des relations. Le problème, c'est que les bonnes personnes ne supporteront pas ta présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Les bonnes personnes ne supporteront pas ta présence. Quand le jugement accompagne ta vie, tu juges les gens, eux aussi te jugent. Et le jour où tu commets une erreur, tu dis, je demande pardon pour mon erreur, les gens disent, non, pardonne pas. Tu dis, mais j'ai demandé pardon, mais ils ne pardonnent pas. Oui, mais je me suis excusé. Non, mais tu ne t'excuses pas. Ce qui fait que les gens bien vont sortir de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque la miséricorde n'accompagne pas ta vie, c'est le jugement qui accompagne ta vie. Quand le jugement accompagne ta vie, tout autour de toi n'est que jugement. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de fréquenter, d'être amis avec quelqu'un dont tout le passe-temps favori, c'est tirer sur les gens, c'est critiquer les gens. Parce que les gens sensés, intelligents, savent que quand tu critiques là, elle, chippie, lui, faux type, elle, fausse type, lui là, Et ils savent que dès qu'ils vont tourner le dos, c'est sur eux que tu vas tirer. Ils savent. Donc, tu deviens quelqu'un avec qui on n'a pas envie de beaucoup parler. Et on ne te donnera pas un secret, parce qu'on sait que toi là, dès qu'on te donnera un secret, surtout si j'avoue une faiblesse, si j'avoue une faiblesse à un critiqueur, c'est fini. Mon secret est connu sur l'internet. Donc, on n'a pas envie de te fréquenter. Les seules personnes qui seront tes amis de longue date, ce sont les gens qui sont comme toi. Parce que eux, tu les attires comme un aimant. Asseyons-nous. Tous à table. Hein? Alors, c'est quoi les nouvelles d'aujourd'hui? Oh!
Nouvelle 1, nouvelle 2, nouvelle 3. Hey, moi aussi, moi aussi. Ce sont tes seuls amis, mais ce ne sont pas tes vrais amis. Ce ne sont pas des bons amis. Ce ne sont pas des amis qui seront avec toi. Même quand tu seras malade, ils vont te critiquer. Ah, tu es malade, tu nous fatigues, tu prends ton de notre temps. Je suis allé la voir. Que Dieu ait compassion. Que Dieu ait compassion. Quand tu parles mal, les gens bien ne resteront pas avec toi. Ils vont commencer. Mais quand ils vont voir ta vraie nature, ils vont s'éloigner. Le problème, c'est que dans ta vie, dans ta destinée, tu as besoin de connecter avec des gens bien. Et les gens bien ne resteront pas. Amos 3, 3. Deux personnes marchent-elles ensemble sans être en accord? On ne peut pas marcher ensemble quand on n'est pas en accord. On n'est pas en accord, on n'est pas en harmonie, on ne parle pas le même langage. Donc, à un moment donné, on ne peut pas. Toi, quand on s'assied, tu commences à critiquer ton père, ta mère, ton pasteur, ton église, tes frères, les pasteurs, tout le monde, toute la planète doit être critiquée. Et le problème, c'est qu'on ne parle pas le même langage. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la langue pour le même objet. Moi, ma langue va dans l'intercession. Ma langue va dans la supplication. Ma langue va dans la prière. Toi, ta langue va dans la médisance, les commérages. Oh, toi, au début, je ne te connaissais pas. Mais dès que je vais t'écouter parler, je vais dire, « Ok, oh, excuse-moi. » En fait, j'avais une course à faire. Mais on devait aller en voyage ensemble. On avait promis de se faire une croisière. Oh là là. Oh la croisière. Mon Seigneur, pardonne-moi, mais là, vraiment. Bon, c'est pas que je mens. Hein. Je suis obligé d'échapper. On n'a pas envie de te fréquenter. On n'a pas envie. Quand quelqu'un prend plaisir à être avec toi, ça veut dire qu'il est exactement comme toi. Les gens bien, reste pas avec toi. Le problème, c'est que ta destinée a besoin des gens bien. Le problème, c'est que l'homme est un être sociable. C'est un être de relation. Le problème, c'est que ta destinée se bâtit avec des relations. Je n'ai pas entendu toi, amen. Ta destinée se bâtit avec des relations. Parce qu'on connecte avec les autres par des relations. Dans la vie, tu as besoin de relations pour aller là où tu veux aller. Tu ne peux pas faire tout seul. Tu as besoin de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et quelqu'un a dit, il te faut quatre personnes pour toucher la personne que tu veux toucher. C'est-à-dire, tu as juste besoin de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. À quatre connexions, tu atteins le président des États-Unis. C'est pas compliqué. Mais c'est pas compliqué. Quatre. Viens avec moi, quatre. Quatre, c'est le chiffre de la terre. Quatre comme les points cardinaux. Les quatre points cardinaux, les quatre saisons. Quatre, c'est le chiffre de la terre. Tu as juste besoin de quatre connexions. Mais encore faut-il toucher les connexions. J'aimerais rencontrer le nouveau président élu. T'as besoin des connexions. Mais pour que la personne te reçoive favorablement, il faut que, tu vois, tu aies une bonne relation. Mais si elle sait que tu l'as salie, tu l'as critiquée, tu dis, je cherche à boucher le... Hein? Quitte-la. Donc, c'est ta destinée que tu bloques. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous nous connectons aux autres par les relations. Nous nous épanouissons à travers les relations. Nous sommes membres d'un seul corps. L'homme n'est pas habile, appelé à la solitude. Ce n'est pas Robinson Crusoe sur une île déserte. Tu as besoin des autres. Parce que ton épanouissement vient dans l'amitié. On a besoin de nouer des relations avec des gens bien. Nous nous aiguisons, on progresse tous à travers les bonnes relations, les bons amis. La Bible dit le fer aiguise le fer. Le frère, comme dit Éric Sénérier, aiguise le frère. La sœur aiguise la sœur. On a besoin de s'encourager entre nous. C'est ça, c'est auto-aiguisé. Tu as besoin de bonnes personnes qui t'aiguisent et qui tirent le meilleur de toi, qui te disent, va, fonce. Tu as besoin de bonnes relations. Nous nous enrichissons tous par les relations. On ne fait pas que progresser, on s'enrichit. Parce que Dieu est tellement sage, Dieu n'a pas tout mis en toi. Dieu n'a pas tout mis en toi. Il y a beaucoup de grâce, de talent, de savoir, d'intelligence, de compétences, d'expertise qu'il a mis autour de toi à travers différentes personnes. Mais pour que ces choses-là viennent à toi et contribuent et que vous puissiez marcher ensemble, il va falloir que tu aies une bonne relation avec les gens. Dieu n'a pas tout mis en toi, tu ne connais pas tout. Dieu a mis plein de choses dans plein de gens autour de toi. Et pour que ces choses-là rentrent en toi, tu vas devoir les respecter, tu vas devoir les célébrer, tu vas devoir les apprécier.
n'y a personne qui a envie de fréquenter quelqu'un qui passe son temps à tirer sur les autres. Je négatif. Ta langue est un poison. Ta langue est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Chacun de nous a besoin de relations saines. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, le problème, c'est que les mauvaises langues ne connectent jamais avec les bonnes personnes. Les mauvaises langues ne se sentent à l'aise, ne connectent que avec les personnes mauvaises. Les mauvaises langues seront toujours attirées à cause de la loi de l'attraction vers les mauvaises personnes. Parce que les bonnes personnes ne resteront pas avec quelqu'un qui a une mauvaise langue. Si tu as compris ça, tu dis amen. Donc, les mauvaises langues vont toujours attirer les mauvaises personnes, ou encore les mauvaises fréquentations, ou encore les mauvaises compagnies. Et tu sais quoi? Les mauvaises compagnies mettent le feu à ta vie. Ah oui. Combien ici sont d'accord pour reconnaître qu'il te suffit d'une seule mauvaise relation pourrie, intime dans ta vie, pour démolir ta vie? C'est pour ça que Paul disait, les mauvaises compagnies comblent les mauvaises. Mais en fait, ce que Paul voulait dire, c'est que les mauvaises compagnies peuvent mettre ta vie en feu. Tes relations sont en feu. Elles sont en train d'être incendiées. Tu es quelqu'un qui est en colère, qui n'a pas paix. Les gens commencent avec toi et puis se désengagent de toi. Ça veut dire que tes relations sont en feu. Et pourquoi tes relations sont en feu? Et quand tes relations sont en feu, des mauvaises fréquentations, une seule mauvaise fréquentation peut détruire ta vie. Vrai ou faux? Donc, si une seule fréquentation peut détruire ta vie, ça veut dire que Satan peut incendier ta vie. Enfin, pas Satan. Ça veut dire que tu peux incendier ta vie si tu n'as qu'une mauvaise relation. La question est, comment as-tu connecté à cette mauvaise relation? Repars en arrière dans ta vie et tu te rendras compte que pas aujourd'hui, mais il fut un temps où ta manière de parler était identique à la manière de parler de cette personne qui est rentré dans ta vie et qui a incendié ta vie. Vous aviez la même manière de parler. C'est pourquoi vous vous êtes rapproché. Tu lui as donné accès. Donc, au final, qui est responsable de l'incendie de tes relations et de ta vie? La langue. Un petit membre se vante de tellement d'exploits et d'accomplissements. J'ai réussi à bousiller sa santé. J'ai réussi à bousiller son mariage, mon gars. J'ai réussi à bousiller ses relations. Les personnes dont elle avait besoin pour sa destinée. On dit, je sors de ta destinée. Je ne peux pas rester avec toi. Pourquoi? À cause de ton langage. On n'a rien à faire, toi et moi. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord. Le problème, c'est que cette personne-là a besoin d'elle pour ta destinée. Mais elle s'éloigne de toi à cause de ta langue. Qui est en train de mettre le feu à ton existence? Qui met le feu? Ce n'est pas un démon, c'est ta langue. Ta langue a attiré des mauvaises personnes et les mauvaises personnes sont venues et puis elles ont incendié ta vie. Elles t'ont démoli. C'est ta langue. Elle leur a dit bienvenue, venez. Tu vois, c'est subtil quand même. C'est subtil. Waouh, je comprends ça. J'ai dit, Seigneur, plus que jamais, accorde-nous la grâce d'une vraie repentance. Ça veut dire, pas juste demander pardon, ça veut dire vraiment changer, être totalement changé dans le système de pensée, de réaliser que je ne laisserai pas ma langue saboter ma vie, mes relations, ma santé, mes finances, mon mariage. Tu
Tu dis, je ne voyais pas le problème. Oui, mais il vient de te montrer que c'est la langue. Va prendre ce message. Réécoute-le attentivement. Comment ta langue peut ramener des péchés que Dieu a effacés. Et à cause des péchés qui sont revenus en force, l'amour a dit, là, j'ai une cible. Maintenant, te voilà atteint de douleur, de maux, de calamité. Mais si tu prends la décision de la miséricorde, tu décides, je ne parle plus mal. Saint-Esprit, si tu m'entends parler mal, reprends-moi, fouette-moi, mais ne me laisse plus m'incendier tout seul. Parce qu'en parlant mal des gens, c'est toi que tu es en train d'incendier, c'est ta propre vie. Les gens, ils continuent de se déployer. Ils continuent d'avancer et de se déployer dans leur génération. Mais toi, tu es en train de prendre feu. Ta vie prend feu, ta santé prend feu, tes relations prennent feu, ton mariage prend feu, ton futur prend feu, ton travail prend feu. Une petite faute, on te vire. Et à chaque fois, tu ne comprends même pas que c'est toi. Décide seulement de changer, de commencer à prier, à demander à Dieu compassion. D'abord de moi, désormais compassion des gens. Ne laisse plus ma langue être un instrument d'autodestruction, d'incendie de ma propre vie. Et permet qu'à travers ma langue, je sois une personne qui incendie les forteresses, les raisonnements, les systèmes de pensée, les montagnes, les murailles, les barricades sataniques qui se dresseront sur ma route. Permet que par ma langue, un feu, le feu de la parole aille consumer. Et pas moi, mes ennemis et mes adversaires. Mon combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des entités qui doivent recevoir le feu qui doit être consumé, des esprits de blocage, d'échec, de sorcellerie. Et tu ne peux pas faire les deux. Critiquer, quand tu critiques, tu es en train de prendre feu. Le feu vient contre toi-même. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous une vraie repentance. Un vrai changement de mentalité. Un nouveau paradigme. Un nouveau système de pensée. Une nouvelle manière de voir. Et de réaliser que cette langue est un petit membre. Mais qui est insolente. Et qui a besoin d'être domptée, contrôlée par le Saint-Esprit. Je t'en prie. Fais-moi grâce. Incline la tête. Humilie-toi. Prends le temps de méditer. Je ne veux pas juste dire amen à cette parole, mais je veux vraiment changer. Je ne veux plus laisser ma langue me disqualifier. Dans le conseil des gens qui aiment les commérages, je sors définitivement au nom de Jésus. Je sors de ces conseils. Je sors de ces assemblées. Je sors de ces connexions. Je sors de ces mauvaises habitudes d'avoir la démangeaison d'écouter les gens qui racontent toujours des critiques. Aujourd'hui sur Internet, une des grandes tragédies dans le corps du Christ, les chrétiens passent plus de temps à écouter les commérages, les critiques, les débats, les tribunes contre tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Ils passent plus de temps à écouter ça qu'à écouter les enseignements qui les construisent. Et ils s'étonnent de ce que leur vie ne change pas. Et que leur destinée a pris feu. Le mariage a pris feu. Le travail a pris feu. La santé a pris feu. Et on dit au Seigneur, oh miséricorde. Tu dis, quelle miséricorde. As-tu été miséricordieux? As-tu intercédé pour ceux qui tombaient, ceux qui étaient coupables, ceux qui étaient perdus? Seigneur, aie compassion. Compassion. Aie compassion. Aie compassion. Tu ne peux pas dire que cette parole ne te concerne pas, non.
Abba Père, je te prie. Délivre-moi de la folie. Accorde-nous une vraie repentance. Délivre-nous de l'autodestruction. Délivre-nous de l'incendie de nos propres vies. Accorde-nous la grâce de réécouter cette parole. Accorde-nous la grâce de ruminer cette parole. Et de voir le chemin tracé par la langue. Elle est véritablement une porte, une source de tellement de tumulte. Voilà pourquoi le sage avait bien discerné. Il a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue peut te tuer. Et tu accuses un esprit de mort. Non, l'esprit de mort n'est pas trop fort. C'est ta langue qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas domptée et qui ouvre la porte. À Satan les mamans. Pardonne nos folies. Pardonne mes manquements. Pardonne mes égarements. Délivre-moi définitivement de cette mentalité. Délivre-moi définitivement de cette habitude. Toujours vouloir diminuer, rabaisser, critiquer, calomnier, bénir, parler en mal. Délivre-moi. Délivre. Ma langue n'incendiera pas ma vie. Ma langue incendiera les démons de l'enfer. Elle incendiera les forteresses, les montagnes qui se dresseront devant moi. Ma langue n'ira pas contre moi. Elle travaillera avec moi dans la direction de mes adversaires et mes ennemis dans le monde spirituel. Car mon combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais bah, demande à Dieu d'avoir compassion. Demande au Seigneur de changer ton système de pensée. Et de t'emmener à réaliser que celui qui est en train de prendre feu, c'est toi-même. C'est ta vie qui est en train de prendre feu. C'est ta santé qui prend feu. Quand tu critiques, quand tu parles mal, tu es en train de frayer le feu sur toi-même, sur ton existence. Tu es en train de l'enflammer. Et c'est un feu qui vient de la géhenne de l'enfer. Mais tu peux reprendre le pouvoir. Tu peux changer la trajectoire. En demandant pardon à Dieu. Et en disant que désormais tu déclares et tu décrètes que ta langue sera un instrument de bénédiction. Ta langue sera une langue d'intercession. Ta langue sera une langue de prière. Ta langue sera une langue d'action de grâce. Ta langue sera une langue de célébration. Ta langue sera une langue de bénédiction. Ta langue sera une langue qui priera, qui aura compassion, qui plaidera devant Dieu. Ta langue sera une langue qui sera utile et qui sera entre les mains du Saint-Esprit. Un feu. Tu vas élever la voix avec moi, tu vas répéter ces paroles. Nous allons ensemble demander encore pardon. Tu vas répéter avec moi ces paroles. Père, Père. Plus fort, Père, Père. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. Je te demande encore pardon. Assurément, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au sein. Pardon pour ma folie. Pardon, Père, pour chaque fois où à travers ma propre langue j'ai provoqué l'incendie de ma propre vie. Je croyais que je parlais contre les gens. Mais en réalité, c'est contre moi-même que j'étais en train d'agir, contre ma santé, contre mon foyer, contre ma destinée, contre mon potentiel. Père, je demande pardon et compassion. À partir d'aujourd'hui, je décide et je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Plus fort, je compte sur ta grâce. Pour que tu me délivres définitivement cette habitude de mal parler. À partir d'aujourd'hui, ma langue sera un instrument
entre tes mains pour encourager, pour intercéder, pour prophétiser, pour déclarer les desseins de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu. Au nom de Jésus, opère en moi une totale repentance, révolution, renouvellement de mon système de pensée. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi, sur cette parole, sur cet engagement, dis-le plus fort, sur cet engagement que j'ai pris aujourd'hui, je déclare que les calamités, les maladies, les tourments, les infirmités, les souffrances, les portes fermées, les défaveurs que j'avais expérimentées, que j'avais récoltées à cause de mon manque de miséricorde, dans le nom de Jésus, à cause de mes péchés qui n'étaient pas pardonnés et qui étaient repositionnés, qui étaient restaurés alors que le sang les avait effacés, je déclare et je décrète que toute maladie, tout fléau, toute calamité qui avait atteint ma vie à cause de mes péchés, vous quittez ma vie désormais. Au nom de Jésus, tout esprit de mort, esprit d'infirmité, esprit d'échec, esprit de pauvreté, esprit de blocage qui tenait ma vie à cause de ma langue, je me suis repenti. Je me suis repenti. J'ai imploré la miséricorde et j'ai décidé de faire miséricorde. Désormais, je bénéficie de la miséricorde de Dieu. Le châtiment, le jugement, la condamnation à mort n'ont plus le pouvoir de me toucher. Voilà pourquoi je commande aux maladies, aux échecs, aux afflictions, aux tourments d'être détruits maintenant par le feu, 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 par le feu. Au nom de Jésus, je suis libre de tous ceux qui m'emprisonnaient et que j'avais autorisé par ma langue. Au nom de Jésus, je sors d'ici libéré de toute maladie, infirmité, à cause de ce que désormais Dieu me fait miséricorde. Parce que je fais miséricorde. Et la miséricorde me préserve, me délivre du châtiment, du jugement, de la condamnation. Je sors de ce lieu homme, femme, libre au nom de Jésus. Je déclare cette parole, elle s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Diabo, amen, 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 amen. Lève la main. Lève la main au nom de Jésus. Non, 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 c'est moi qui vais prier maintenant. Lève la main. Mais sur la base de la confession, de l'humiliation de ton enfant, de mon frère, de ma soeur aujourd'hui, je déclare et je décrète. Parce qu'il a décidé, elle a décidé de devenir une personne qui pratique la miséricorde. Donc, ta miséricorde peut désormais la toucher. Voilà pourquoi je déclare que tout esprit de sorcellerie, d'échec, de pauvreté, d'infirmité, de confusion, de folie, tout esprit qui avait incendié sa vie, je commande maintenant et quitte sa vie. Il quitte ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui te détruisait à cause de ta langue, à partir d'aujourd'hui, cesse de te détruire maintenant au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas le feu de l'enfer, c'est le feu de la parole. Contre tout agent de ténèbres, tout blocage, tout verrou de fer, tout
toute malédiction, tout joug, tout fardeau qui accablait mon frère, ma soeur, je commande que ce fardeau soit détruit maintenant. J'ai dit, il tombe maintenant. À partir d'aujourd'hui, je commande ta liberté. Je commande que tu relèves la tête. Je commande ton expansion. Là où les portes étaient fermées à cause de ta langue et de tes malédictions que tu avais attirées, que les portes fermées s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus. Que les opportunités perdues reviennent à toi au nom de Jésus. Que les douleurs qui étaient le fruit des péchés qui étaient revenues, que ces douleurs soient désintégrées maintenant. Ces esprits de folie, ces esprits de migraine, ces esprits d'angoisse, ces esprits d'angoisse, quitte ces corps maintenant. La main du Seigneur se pose sur toi. Si ton cœur est sincère aujourd'hui, si ton engagement est sincère, la main du Seigneur se pose sur toi. Cette fois-ci, ce n'est pas le feu de la GN. Je déclare, un feu vient sur toi maintenant. Maintenant, c'est le feu du Saint-Esprit. Il vient consumer le feu de la GN. Le feu supérieur vient sur toi. J'ai dit, il vient. Il te prend de la tête aux pieds. Et tout ce qui était accroché à ta vie, quitte maintenant au nom de Jésus. Feu de Dieu, vient. Viens, il va. Réponds-toi. À gauche, à droite, devant, derrière. Circule dans les rangées. Circule dans les salles annexes. Circule. Reste concentré. Circule. Saisis. Monte maintenant. Remets l'ordre. Répare les vies. Restaure les vies. Repositionne. Redimensionne. Restaure. Rétablis l'ordre. Feu de Dieu. Réponds-toi. Si le cœur de cette personne est sincère, Satan, tu ne peux plus la tenir. Mort, tu ne peux plus la retenir. Libère-la. Libère maintenant. Allez, sors. Va dans les lieux arides, tu ne restes pas. Le feu vient reprendre position. Il vient reconsumer ton homme intérieur. Il vient briser les chaînes qui te retenaient. Ce n'est plus le feu de la GN. C'est le feu dévorant. C'est le feu de Dieu. Il te consume. Cette semaine, tu témoigneras. Cette semaine, tu attesteras. Cette semaine, tu proclameras la bonté. Tu diras désormais, le bonheur et la miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et ce jour commence maintenant. Ce jour, c'est aujourd'hui. We thank you. Je commande un nouveau jour sur ta vie. Je commande un nouveau cœur. Une nouvelle manière de penser. Un nouveau paradigme. Un nouveau système de pensée. Thank you. Cette parole est simple. Mais elle interpelle. Accorde-nous la grâce de ne pas rester connecté à cette parole seulement aujourd'hui. Délivre-nous de cette démangeaison satanique d'écouter les commérages, les gens qui parlent de mal toujours sur internet. Et compassion et pardonne la folie de nos frères et sœurs qui passent leur temps à écouter les radios et les télé ragots et commérages plus qu'ils n'écoutent la parole de Dieu. Ils ne se rendent pas compte de leur folie. Et pardonne. Et compassion.
fais toutes choses nouvelles. Dans le cœur de la personne sincère, dans le cœur de la personne qui sincèrement se repent, je dis, Dieu fait toutes choses nouvelles. J'ai dit, il fait toutes choses nouvelles. Là où tu pensais que c'était un démon, ce n'est pas un démon. C'est parce que ton âme aimait ça. Désormais, ton âme a la calomnie, les médisances en horreur. Ta langue sera utilisée pour prier et pour proclamer. Amen. Pour encourager. Proclamer la parole. Célébrer tes frères. Célébrer tes soeurs. Et un peuple sans chrétien est une église où la célébration, la supplication, la louange seront la culture au nom de Jésus. Les personnes qui aimaient salir, calomnier, guérir-les. Ceux qui ne veulent pas se repentir, éloignent-les. Je libère cette parole dans le nom de Jésus. Nous, nous avons décidé de vivre Christ et de manifester Christ pleinement. À toi qui fais cette chose dans nos cœurs, à toi qui nous délivre de tout ce qui voulait nous empêcher.